Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de la nouvelle Game Room. On va vous montrer un petit peu les changements et tout et tout. Euh, Puis que dire de plus, bah, la prochaine vidéo, ça sera la vidéo de l'autre côté. Au niveau bah, de l'autre côté, il y a énormément de changements. Hein. Euh, il faut savoir que donc, on a viré en tout neuf meubles et euh, 1, 2, 3, 4. On a dû virer quatre ou cinq vitrines. Je ne sais plus, une connerie de ce genre. Donc on a vraiment viré énormément de choses. Sur cette partie là euh, que vous voyez... Bon c'est pas rangé frérot parce que j'en ai... ai tellement rien à branler, de ranger ou quoi que ce soit. Euh, donc bref, que dire de plus Oui sur cette partie là, euh, vous voyez qu'il y a euh, la euh, Sega Mega Drive, il y a euh, la Master System, la Dreamcast euh, qui sont réapparus euh, ici. Euh, en sachant que normalement c'était par là-bas, euh, dans la vitrine euh, qui était euh, là-bas, mais euh, hashtag y a plus de vitrine. Donc euh, là c'est pas rangé, hein, euh, je vous mets les Mario comme ça parce que j'ai envie de les mettre, et puis les gens qui sont pas contents, eh ben ils vont se faire foutre, voilà. Euh... <laughs> Donc ici y a pas eu trop trop de changements, à part que c'est un peu plus rempli, parce qu'il y a euh, la Mega Drive qui est ici, et il y a la euh, Master System qui est là. Ici il y avait des collecteurs, bah tu vois il n'y a plus rien, parce que bah euh, bah, bah il n'y a plus rien frérot tout simplement. Alors, attends, je vais essayer de pousser tout ça, je fais ça à l'arrache. Ça va tomber, ça tombe pas. Ici, alors ici il y a un très gros changement, si tu te rappelles, même là, tu vas voir, il y a des euh, changements aussi. Rangement non, changement oui. Ici on avait deux vitrines qui ont disparu et on avait aussi une table avec euh, des box. Et eh bah ben, tu vois qu'il n'y a plus de vitrine et il n'y a plus de table, il n'y a plus rien. J'ai viré la table euh, et je l'ai remplacée par cette petite vitrine qui était là-bas à l'époque. Pour ceux qui se rappellent. Je mettrai des photos quand même. Donc comme ça, on peut admirer euh, ce magnifique poster en toile. Et ce magnifique vélo pour faire du sport. Hein. Donc voilà, ici il y a eu vraiment un très grand changement. Il y a eu moins de merde. Enfin euh, j'ai Voilà, j'ai viré la merde. Ici, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait une grande vitrine ici avec un miroir et puis euh, ça c'était là. Et derrière, c'était plein de bordels. Bon là, le bordel est apparent. Alors on peut le voir. hein, Alors je vais faire attention parce qu'il y a le fil du vélo en fait et j'ai pas envie de mourir. Euh, on peut voir, hein, il y a différents euh, petits petits trucs, pas mal de petits collectors et de gros collectors. Il y a pas mal de Assassin's Creed. Il y a pas mal de trucs que j'ai envie de virer, mais je verrai un petit peu comment 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 ça va se passer. Si je les donne, si je les échange, je sais pas encore. Donc voilà, ici il y a énormément de de, de collecteurs. Ici il y a la petite télé euh, girafe. Hop. Ici on avait euh, de l'exposition. Attends vrai Je vais virer les. Toi tout ça là, les, les cartons comme ça, faut les, faut que je les vire. Alors je vais les je, je vais les garder parce que ça sert toujours des cartons. Hein. Mais euh, pour l'instant on va les virer. Ah oui, vous voyez un peu le bordel ici. Alors, ici, on avait euh, pas mal de choses qui étaient mises en valeur, notamment le petit Hulk qui est au milieu ou qui était là, je sais plus. Le Hulk, il euh, y a la boîte ici. Alors, c'est vrai que euh, ici, c'est vraiment du rangement à 300%. Alors, qu'est-ce qu'on a ici On a un petit peu de l'association qui est ici. Euh, c'est des donations qu'on a pu faire, euh, que j'ai fait en vidéo. On a euh, de la mer, du Star Wars. Ici pareil, on a de la merde. Euh, ici, on a de la merde. Bon, c'est beaucoup de jeux vidéo aussi. Qu'il faut que je trie et qu'il faut que je vire aussi. Là, il y a encore du jeu vidéo. Ici, il y a une manette PS4. Il y a encore des jeux vidéo. Il y a des Simpsons. Vous avez bien vu sur la dernière vidéo, euh, j'ai viré la Simpson. Oh, il y a un truc qui est tombé. Je sais pas c'est quoi. Ici, c'est des DVD. Euh, bah, il me reste encore des DVD. Ici, c'est euh, de la merdouille aussi. Et puis voilà, hein, des petites merdouilles à droite à gauche. Ici, je crois que c'est une... 3DS, je ne sais même plus frérot. Il euh, là, là, y a tellement de choses. Donc l'objectif, hein, comme je disais, c'est vraiment de réduire au maximum un petit peu la gaming room. Euh, en rangeant, etc. etc. parce que bah, euh, un, un jour ou l'autre, alors dans euh, je ne sais pas combien de temps, oui, c'est une belle, euh, une belle, euh, une belle 3. Une belle 3DS. Dans euh, un an, deux ans, trois ans, je vais vivre une partie de ma vie en étant SDF, c'est-à-dire euh, en... dans ma voiture et euh, une autre partie où je serai, je l'espère, inshallah, euh, dans une partie avec une petite maison que je vais construire, je vais racheter un terrain, je vais construire une baraque de 30 mètres carrés, etc., etc. Pour ceux qui me suivaient sur Instagram, ils savent de quoi je parle. Euh, maintenant, Instagram, je l'ai mis en privé, je crois, euh, et puis je m'en bats les couilles, j'ai dû virer plus de 1000 personnes, parce que euh, les gens ne regardaient pas mes stories. Alors ça sert à quoi, quand t'es abonné sur Internet, et que tu regardes pas les stories des personnes Pareil sur YouTube, hein, c'est ça qui me fait rire. Donc là, tu vois, il y a toujours des petites télés. J'ai viré euh, une dizaine de télé cathodiques euh, que j'ai donné à une association, à Emmaüs et à la ressourcerie euh, d'à côté de chez moi. Enfin, euh, 20 bornes quand même, mais bon. Euh, donc là, il y a encore des petites télés. petites télé plates qui me servent pour la PS2, la PS3, voilà, euh, ouais, PS3 et euh, la GameCube, etc., etc. Pour les vieilles consoles, bien sûr, on prend de la cathodique. Ici, et eh ben, comme tu peux le voir, c'est vide. Hein. J'avais dit sur des précédentes vidéos, j'allais dire que ça allait être vidé et eh bien c'est vidé. Il reste quoi Bah tout simplement des petites merdouilles comme ça mais rien de ça. Tu fous ça là. Ça, tu fous ça là et il y a plus rien. Alors je les garde, je les garde encore mais c'est vrai que euh, je me pose la question du est-ce que je vais pas les donner euh, Ici c'est du Star Wars. Donc euh, bien cool, hein, vraiment très très cool. Du euh, je sais plus c'est quoi Star Wars, quoi, Jedi, euh, Fallen Order. Et ici c'est le Asterix et Obélix XXL 3 qui me sert un petit peu de support avec le, le tourne-disque, etc. etc. Mais c'est vrai qu'il y a largement moins de choses. L'objectif c'était de virer beaucoup beaucoup de choses et on a viré beaucoup de beaucoup de choses. Alors on va revenir assez vite fait où comme vous pouvez voir c'est tout simplement euh, une partie de ma collection euh, NES, Super Nintendo, N64 et Sega Mega Drive en loose, en sachant qui en a plein ici, etc. Donc c'est pour ça. Il y en a énormément, comme vous pouvez le voir. Hein. Il y en a énormément. Je ne pensais pas que j'en avais autant. Et en fait, bah ouais, en fait, la vitrine ne, 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 ne peut pas tout contenir. Parce que j'en ai encore en haut, j'en ai partout, frérot. Je, pff, frérot, je suis sûr que j'ouvre ça. Il doit avoir encore des trucs. Hein. Voilà, tu vois. Il euh, y, y a tellement de jeux qu'il faut que je trie encore. Ici, pareil, on a euh, de la Xbox. Enfin bref, tu vois, c'est assez what the fuck. Alors, je le répète, c'est pas rangé, mais j'en ai absolument rien à branler. L'objectif c'est de vous montrer ça, hein. c'est pas de, de ranger ou quoi que ce soit. Hop, alors qu'est-ce qu'on a On va pousser ça. Alors ici, les deux vitrines qui étaient ici, elles ont été. Ils sont, ils sont, elles sont venues tout simplement ici. Euh, J'ai voulu entre guillemets mettre... Euh, bah, J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Euh, bah je l'ai, donc je suis content. J'ai toujours rêvé d'avoir des vitrines avec une seule figurine dans. Euh, dans les dans les étagères, donc là on peut admirer, hein, euh, j'ai pas mis de lumière parce que j'en ai un à branler, euh, donc on peut le voir avec un petit Batman, encore du Batman, on a euh, du Ghost Rider, et on a le petit Hulk, limité à, je sais même plus combien d'exemplaires, mais très très limité, un peu comme Polo, <laughs> je suis limité, euh, la V-TREX, des petites conneries, une petite montre Xbox One, voilà, des petits goodies assez sympathiques, euh, mais, mais, mais... Dans les mois à venir, je pense que cette vitrine va dégager, euh, parce, que, euh, parce que parce que parce qu'il faut dégager des choses, parce que parce que je suis dans un mood de minimalisme et que cette vitrine ne me sert pas à grand chose à part juste à mettre des belles choses. En fait, si tu veux, il faut vraiment comprendre et ça je l'ai pas dit dès le début, c'est dommage, mais il faut vraiment le comprendre que l'objectif de mes gaming rooms avant, mais aussi maintenant et après, n'est pas de mettre en beauté la gaming room parce que je m'en bats les couilles en fait, que ça soit dans des cartons ou que ça soit exposé comme ça même si ça entre guillemets c'était un rêve entre guillemets hein, de d'avoir euh, chaque étagère une figurine euh, bah en fait je m'en bats les couilles il euh, y a personne qui vient dans mes gaming room. il y a que moi donc euh, bah je m'en fous qu'elle soit bien exploitée avec des lumières et tout enfin moi je suis pas dans ce game là frérot euh, j'ai passé là je, je je pense ou passé peut-être euh, voilà euh, je suis pas euh, je suis pas dans ce dans ce dans, dans ce truc là de de bien exposer ma gaming room parce que j'en ai rien à branler voilà donc Première vitrine, euh, si tu te rappelais, ici on avait un gros meuble et on avait euh, un petit meuble, on avait une vitrine, enfin bref, c'était vraiment euh, pas très, très 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 beau entre guillemets. Là tu vois mes petons, ouais, coucou, ouais, c'est mes petons. Euh, la télé, la télé que j'ai depuis euh, de, depuis que j'ai gamin. Et je crois que celle-là jamais je m'en séparerai. Pourtant il y a des fois où j'ai envie de lui mettre des patates dans la gueule. Je crois qu'elle s'en est pris, mais. Tellement des patates dans la gueule frérot. Donc euh, voilà, il euh, y avait un écusson de Love de lance là, je me rappelle. Euh, donc la télé qui est là, euh, qui me sert à tester les consoles que je vais donner à Matos Game, enfin que je vais échanger à Matos Game ou que je vais donner à Emmaus. Donc ça me sert hein, à vous faire des crash tests comme vous avez vu sur la chaîne YouTube. Alors attendez, je suis en train de pousser tout frérot. Voilà. Donc en dessous, et eh ben c'est plutôt très simple, en dessous nous avons euh, tout ce qui va être la PS3. Euh, la 3DS, des petites conneries, la Switch qui est à l'association et que j'utilise même pas en fait parce que parce que je m'en bats les couilles frérot, la PS5, la PS4 frérot, tu vois. J'ai pas de télé en fait, j'ai pas de télé parce que parce euh, parce que euh, parce que j'ai 35 télés mais euh, qui ne servent à rien, <laughs> juste pour l'association. Donc quand j'ai des animations euh, avec l'association, je sors entre 8 et 15 télés euh, cathodiques ou plates et euh, je vais faire l'animation. Mais c'est vrai que euh, moi personnellement... Bah, je, je je pense que je suis passé outre entre guillemets. Euh, j'ai 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 l'envie de jouer à des jeux vidéo, mais euh, mais pas si souvent que ça. Donc je me considère peut-être un peu plus comme un collectionneur maintenant qu'un joueur. Euh, la PS5 ne m'intéresse pas, les jeux sur la PS5 ne m'intéressent pas, la PS4 va pas m'intéresser même si je l'avais. Tu vois, il n'y plus là frérot, je sais même pas où je l'ai foutu, c'est pour, pour te dire je pense que je l'ai rangé dans un, euh, dans un carton. Tu vois, je suis devenu vraiment collectionneur à proprement en parler. Euh, que dire de plus Eh ben, on a aussi cette vitrine là. Avec des petits trucs classiques. Alors il y en a beaucoup qui, qui se branlent sur le Final Fantasy VII, le, le guide de stratégie qui doit coûter 100 balles, une connerie comme ça. On a Ro Robert, voilà, on a le petit Robert. Euh, on a euh, de la merde comme ça, de la merdouille comme ça, et euh, de la merdouille comme ça. Donc euh, voilà, c'est des choses que je kiffe. Hein. Je dis merdouille, mais c'est des choses que je kiffe totalement et que voilà, c'est tout mignon. Alors ici, on a par exemple, ça c'était offert par Pokémon, donc je l'ai gardé sous blister. On a un, un flipper qui va... Sans doute dégagé, je pense. Euh, on a ça. J'avais payé ça cinq 5 balles, je crois. C'est tout Franchement, c'est très classe, c'est mignon. Hein. On a le vidéoprojecteur qui va sûrement dégager. Hein, parce que bah... Pff... C'est un très bon vidéoprojecteur, mais je n'ai pas... Bah n'en ai pas, euh... pff... bah, pas l'utilité. Mais par contre, ouais, il est vraiment très très beau. Il est vraiment très très beau euh, comme, euh, comme vidéoprojecteur. Il est vraiment très très cool. Ici, on a la partie Game Boy. Hein. Sur les précédentes vidéos, vous avez bien vu que j'avais viré euh, une centaine de jeux Game Boy. Eh bien, il reste ça en hein, loose. On a de la Game Boy comme ça. On a de la Game Boy là, comme ça. Je on... sais qui ça branle là, frérot. On a du PQ Simpson. On a des OST. Hop, voilà, des, petits, euh, des petites euh, OST euh, classiques. Alors, il y en a qui ont été donnés par euh, Anthony. Je sais pas si ils reçu encore mes mes, mes vidéos. C'est pour ça que j'accepte très très peu de, de 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 cadeaux de la part des abonnés parce que euh, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, je sais pas. Euh, parce que euh, on sait très bien qu'à un moment donné, en fait, les abonnés te donnent ça, mais euh, mais on, mais on va pas se suivre euh, éter éternellement. Donc c'est ça, c'est pour ça que moi je, je n'accepte très très peu de cadeaux parce que. Je sais que le mec va m'offrir un cadeau, par exemple en septembre et en décembre, en janvier ou en février, on se parlera plus. Tu vois la chose que je veux dire Parce que la vie, parce que ceci, parce que cela. Donc ici, comme vous l'avez vu, on a toujours cette petite collection assez sympathique. On a de la euh, Game Boy qui se retrouve ici. Alors bien sûr, on a aussi de l'autre côté, on a de la Game Boy, on a euh, de la de, de la vidéo CD, de la Game Gear. Ta grand-mère, toi. On a aussi de la de la tarie et euh, bah, tout ce qu'il y avait dans la vitrine euh, qui était euh, là-bas. Eh bien, c'est revenu là. Alors j'ai eu vraiment du mal à tout mettre et tout n'est pas rentré, frérot. Un peu quand The Kiri euh, euh, avec sa meuf, et eh ben ça rentre pas vraiment. Euh, parce que 16 ans, putain, c'est chaud. Donc ici on a, on a quoi bah, On a tout simplement euh, de la Super Nintendo, on a de la NES, la N64 en boîte et derrière. Et euh, voilà, donc c'est rentré mais avec du mal, frérot, hein. il faut un peu de Vaseline, hein Demande à The Curry. Putain, il faut que j'arrête avec ces blagues. Euh, mais voilà, c'est rentré, donc c'est plutôt cool. Et euh, bah c'est pas mis vraiment en. Mais on s'en fout, on s'en fout, on est pas là pour ça. On est vraiment pas là pour ça. Euh puis donc là, euh, là c'est mon bordel, hein. euh, hop, on va pousser ça. Cassé classique, on a la Rolex. Euh, voilà on a euh, on a voilà hein, c'est classique. en fait c'est pas que j'ai pas envie de faire cette vidéo mais je me dis que euh, bon, je m'en bats les couilles frérot je fais ça à l'arrache comme d'habitude donc euh, voilà c'est tout simplement ma ma gaming room ma nouvelle gaming room qui a totalement changé hein on va pas se mentir ça a totalement changé on a viré énormément de choses sur cette pièce là on a viré donc une table les euh, la vitrine qui était là-bas on a viré des meubles on a viré euh, euh, les meubles qui étaient là-bas, etc. Donc, bref, on a quand même viré énormément de choses et ça fait du bien. Ça fait du bien de trier, de ranger et, et de donner des choses aussi. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est terminé pour euh, cette vidéo. Je vous dis, moi, euh, bah, je sais pas quand, frérot, pour euh, la nouvelle vidéo. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, allez, bah, Niki Vorace.